Voici Édouard. Bonjour. C'est un consommateur, c'est-à-dire qu'il privilégie les commerces indépendants pour soutenir l'économie locale. Et c'est une vraie fierté. Soucieux de l'écologie, il est en train de faire ses courses dans un magasin vrac. J'aime l'ambiance conviviale des magasins bio. Ah, bonjour Édouard, comment ça va aujourd'hui? Très bien, merci, et vous? Merci, très bien. Et voilà, ça vous fera 49,37€ s'il vous plaît. Vous réglerez comment? Par carte s'il vous plaît. Édouard sort sa carte bancaire et l'approche du terminal sans contact, quand soudain... Non, malheureux! Qu'est-ce que tu fais? Mais arrêtez, je veux juste payer mes courses. Ah ah! Et à qui penses-tu payer tes courses avec ta carte bancaire? Ben, à l'épicier. Aux banques! Pour ton achat de 50€, là, ton épicier va devoir reverser plus de 30 centimes à sa banque pour payer ta transaction par carte. Et c'est sans parler de l'abonnement mensuel pour avoir un terminal. C'est dommage, tu veux soutenir les petits commerces, mais en payant par carte, tu leur laisses moins de sous pour enrichir les banques à la place. Mais alors qu'est-ce que je peux faire? Devine. Je sais, payer avec mon smartphone. Mais non, il a rien compris. Payer par chèque? Ah, payer en espèces. Espèce de quichot? Ah non, non, c'est trop compliqué. J'ai jamais d'espèces sur moi. Alors, vous avez un distributeur juste de l'autre côté de la rue? Eh oui, retirer de l'argent, c'est facile. Tu mets ta carte dans le distributeur, tu choisis le montant... Mais pourquoi il me tutoie au fait celui-là? Non, mais c'est pas pratique d'avoir un gros porte-monnaie sur soi. On met toujours 1000 ans à fouiller dedans pour trouver les bonnes pièces. Du coup, on les cherche pas, du coup, elles s'accumulent, et le porte-monnaie pèse méga lourd. Dans ce cas, utilisez un porte-monnaie euro. Vos sous y seront rangés comme dans un tiroir de caisse. Vous pouvez aussi y ranger vos cartes et votre agenda papier fait maison. Existant en différents formats, vous trouverez forcément le porte-monnaie euro qui vous convient. Il y en a en abondance sur les sites de vente d'occasion. Avec le porte-monnaie euro, fini les pièces qui s'accumulent. Faire la pointe devient un jeu d'enfant. Mais est-ce que ça vaut bien le coup que je m'encombre de tout ça, juste pour éviter de donner quelques centimes aux banques, alors que je peux me promener qu'avec ma carte de crédit en poche? Pour te répondre, laisse-moi te raconter l'histoire d'un pays où les espèces sont vraiment en voie d'extinction. J'ai nommé la Suède. Retournons à peine dans le passé, en 2012. Dans les couloirs du métro de Stockholm, Hansel se tient à côté de son présentoir à journaux. Il en brandit un en criant le grand titre. Malgré ses efforts, il constate que les ventes sont plus difficiles qu'à l'époque parce que de moins en moins de personnes se promènent avec de l'argent liquide. Pourtant, sur le trottoir d'en face, le présentoir à journaux du concurrent est déjà presque vide. Hansel l'observe pour comprendre. Il voit une foule de passants poser leur carte de crédit ou leur smartphone sur un petit boîtier que le vendeur tient en main. C'est la transaction numérique et l'opération ne prend que quelques secondes. Hansel est ébahi par la rapidité de ce système. En plus, il se dit qu'avec l'argent dématérialisé, il n'aurait plus peur de se faire braquer sa caisse qu'il a d'habitude sur lui. C'est décidé, il va se procurer ce matériel pour augmenter ses ventes. Ce matériel, c'est l'application Swish. Une dizaine de banques suédoises se sont associées pour la développer afin de rendre les transferts d'argent plus rapides, plus fluides et plus sécurisés. En l'espace de 6 ans seulement, elle est adoptée massivement dans tout le pays. Plus de la moitié des habitants l'utilisent. Cette nouvelle technologie s'est si bien implantée qu'elle est devenue extrêmement facile à utiliser partout. Même les églises acceptent les dons dématérialisés. Depuis, la quantité d'argent liquide qui circule en Suède s'effondre chaque année, ce qui montre que les Suédois n'ont plus confiance en la monnaie. Plus de 90% des commerçants seraient favorables à la disparition des espèces. Ils disent que ça leur éviterait les faux billets, les braquages et les erreurs en rendant la monnaie. Faire les comptes deviendrait aussi plus rapide sans argent physique. Voyant que la population se désintéresse des espèces, les banques veulent réduire leurs coûts liés à la mise en circulation des pièces et des billets. Énormément de distributeurs sont retirés des villes et des campagnes, et la majorité des bureaux de banque eux-mêmes n'acceptent plus les dépôts d'espèces. Logiquement, quand le taux d'utilisation des pièces et des billets descend en dessous d'un certain seuil, il devient plus difficile de payer en liquide. Au vu de ce changement comportemental, certains spécialistes estiment que la monnaie devrait disparaître en Suède d'ici 2030. C'est l'ironie du sort pour ce pays qui a été le premier au monde à introduire les billets il y a 400 ans. Mais il y a un problème, c'est celui de Mamie Gretel. Cette petite dame n'a pas de smartphone et n'a pas de carte de crédit non plus. Elle est embêtée pour prendre le bus, pour faire ses courses au marché
et même pour récupérer ses médicaments à la pharmacie. Pour faire face à l'exclusion sociale causée par la disparition de la monnaie, un mouvement s'est formé, nommé la révolte du liquide. Il défend ces personnes qui vivent à la campagne, où les connexions ne sont pas toujours fiables, ces demandeurs d'asile qui n'ont pas de smartphone suédois, et ces associations locales qui n'ont pas les moyens de financer les équipements de paiement dématérialisés. Grâce à la révolte du liquide, des législations ont pu être imposées aux banques pour assurer la disponibilité de monnaie auprès des citoyens et forcer certains commerces à accepter les espèces comme moyen de paiement, en particulier les pharmacies et les centres d'impôts. L'argent liquide a bien failli disparaître en Suède, mais les mesures adoptées récemment indiquent qu'il sera encore utilisé pendant un certain temps. Cependant, pour se préparer à un avenir toujours plus numérique, de nombreuses banques centrales, dont la Banque nationale suédoise, envisagent d'émettre une monnaie officielle virtuelle. Et pour contrer l'exclusion sociale liée à la disparition de l'argent liquide, elles misent sur l'inclusion numérique. Leur enjeu est de rendre accessible à tous les moyens technologiques nécessaires pour faire accepter l'argent dématérialisé sans résistance. Alors, à quoi ressemblerait une société où l'argent matériel n'existerait plus ? On serait à la merci des banques, elles contrôleraient complètement la finance. On serait complètement dépendant des technologies numériques. Toutes nos transactions seraient enregistrées et pourraient être contrôlées. On perdrait pour de bon notre indépendance face au système économique. Pour que la monnaie continue d'exister, on doit continuer d'utiliser. Si l'argent liquide disparaissait, ça profiterait à l'État pour avoir la mainmise sur chaque transaction pécuniaire et ça profiterait aux banques pour la spéculation. En soi, les pièces et les billets peuvent être échangés de main en main à l'infini sans transiter par les banques. C'est une façon de nous assurer un moyen d'échange simple, utilisable par tous, sans exclure personne. L'argent liquide est au service du peuple. On ne peut pas spéculer avec les espèces qu'on a dans notre porte-monnaie. En fait, supprimer les espèces pour garder que l'argent dématérialisé, ce serait comme de supprimer toutes les routes nationales pour ne garder que les autoroutes payantes. Eh oui, c'est bien malheureux. Réduire les choix en augmentant les coûts, c'est réduire les libertés. Allez, déprimez pas. Soyons fiers de faire vivre la monnaie qui nous appartient. Vu la progression fulgurante des moyens de paiement dématérialisés, acheter en espèces est carrément devenu un acte engagé. C'est comme si l'argent liquide était devenu une monnaie alternative. Allez, fini la CB, je vous paye en espèces. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'ici, ça a été un plaisir de le réaliser, et je remercie Émilie de m'avoir donné accès à son épicerie un dimanche pour le tournage. Pour approfondir le sujet, je vous invite à vous renseigner sur les monnaies alternatives et locales qui peuvent exister près de chez vous. Elles sont en général admises que dans les commerces qui font partie de l'économie sociale et solidaire. Autrement dit, elles vous permettront de découvrir et de soutenir de chouettes initiatives pour l'environnement et la société. Et pour continuer de remettre en question votre utilisation de l'argent, je vous conseille de regarder ma vidéo sur les prix libres et en conscience en cliquant juste ici. Avant de vous y retrouver, je remercie comme à chaque fois mes rayons de soleil de Tipeee. Merci de soutenir le travail que je fais pour cette chaîne, ça me fait vraiment chaud au cœur. A tout de suite dans un autre épisode.